Alors un petit bonjour les gars. Ouais, hello. Salut, salut. Jusque là ça va. Jusque là ça va. Ouais. Donc un vol à destination de Cuers. Là on peut le dire. Parce que sur la vidéo le titre il est indiqué. Donc là les copains ils cherchent là. Il y a Marc qui a vu les gilets, il a dit on va en Corse. Ah non, pas en Corse. J'adore le démarrage du 172. Voilà. Alors, on entend à l'audio. Alors, déjà, je vais allumer la radio. Ah, ok. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, fort et clair. Fort et clair. Au niveau de l'audio ici, ça a l'air d'être bon. Je vais te mettre la piste, comme ça tu vas pouvoir régler le niveau sonore. Tout à fait. Avignon Crown, bonjour, timer 20, Echo Fox Road, this information, Bravo, KNH 1007, requesting departure clearance to Napoli. Copy, startup approved, robot ready to taxi. Startup approved, and we'll call you when ready for taxi, timer 20, Echo Fox Road. Allez, ça fait une petite minute, on va monter le régime. RCC 666, vent 350 degrés, 20 maximum 25 nœuds, plafond et visibilité OK. Température 10, point de rosée 5, Québec, novembre, hôtel, unité 007. Bien, impeccable. Pour dès le premier contact, que vous avez reçu l'information, bravo. Welcome to the information, bravo, recorded 08 UTC procedure RNP, followed by VPT, runway 35 in use. Runway condition code 666, wind 350 degrees, 20. Maximum 25 knots. Setting and visibility OK. Temperature 10.5. Québec November Hotel 1007. Inform Avignon at 0007. Bravo information. Bonjour Avignon. Information Bravo enregistré à 8h UTC. Durée RNP 35 en service. Tout à peu tard. RCC 666. Vent 350 degrés. Maximum 25 nœuds. Plafond et visibilité OK. Température 10, point de rosée 5, Québec, novembre, hôtel, unité 007. Informe Avignon dès le premier contact que vous avez reçu l'information, bravo. Bon, ben voilà, c'est parfait. Ouais. Le GPS est actif, je me suis fait... Donc ça, c'est normal. On est renforcé. Bon, enregistré 8h UTC. Durée RNP. Sur la tour. Une VPT de 35 en service. C'est un peu tard. RPC 666, vent 350 degrés, 20 maximum 25 nœuds. Plafond et visibilité OK. Température 10, point de rosée 5, avec novembre, hôtel, unité 007. Pour Avignon dès le premier contact. OK. Bon, bah écoute. On fera les essais après de ça, je regarde un petit peu s'il n'y a pas de... Ok. Bon là, c'est un vent assez fort, donc pour le roulage, il faudra toujours mettre le manche face au vent. Face au vent. Pour éviter de se faire soulever l'avion. Alors, ça c'est fait, ça c'est bon. Hop, on avance. C'est pas sa fin de parc là. Alors la nave, on va quand même la détailler. On va décoller d'Avignon, ici, en 35 face au nord, virage à droite, vent arrière au-dessus de l'autoroute. On va aller chercher Cavaillon. Après de Cavaillon, on va tirer droit sur Novembre Alpha, qui est le point d'entrée des zones de Aix-les-Milles. On va faire une vent arrière à Aix-les-Milles par un circuit publié. Le circuit publié c'est Novembre Alpha, Alpha Echo. Voilà, Alpha Echo c'est Cadarache. Oui, Cadarache c'est ça. Non, Gardanne, pardon. Gardanne. On va le voir, ça peut dire une centrale nucléaire, hein, mais c'est pas ça, c'est une centrale à charbon. Donc c'est rare de passer si près d'une centrale avec un avion, mais il n'y a pas de zone interdite. Hein. On va aller chercher la ville de la Boïa 10, qui est assez reconnaissable. Ici on va avoir
Là, on a la Sainte-Victoire qui est comme ça. Donc, on va voir la Sainte-Victoire sur toute la longueur. Là. On va rentrer dans la vallée. Là, il faut faire gaffe, il y a plein de lignes de tension. C'est assez dangereux. Mais dangereux si on fait n'importe quoi, mais si on passe au vertical des pylônes, il n'y a aucun risque. On va aller chercher Aubagne. Aubagne, c'est reconnaissable parce qu'il y a un échangeur autoroutier qui part vers Marseille. Là, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'à Aubagne, on devrait avoir une belle vue sur Marseille, sur toute la partie droite de la nave. De là, on tire sur le Castellet. Donc, le tour de piste au Castellet, il est à 2004, dont nous, 2009. On fera une verticale Castellet 2900 pieds. Et de là, on va aller tirer sur Bandol parce qu'ici, il y a une zone qui est interdite de survol, c'est la zone militaire de la rade de Toulon. Donc, si on tire droit comme ça pour aller chercher Papa Tango, on va raser les zones. Donc, pour se donner un peu d'air et éviter de manger la zone et se prendre une chasse, on va chercher Bandol. Alors, ouais, parce que Pascal il voulait faire le transit côtier en fait. Donc en fait on va chercher Bandol, Papa Tango. Ah on le fait ça d'accord. Ouais. Ah d'accord. Papa Tango, Sierra Tango. Ah ouais, voilà. C'est pour ça que je l'ai pas. Ouais, on sait pas. Non, enfin, c'était pas. Ouais, c'était pas comme ça. Bah tu peux le corriger, c'est-à-dire que ce point là tu l'amènes à Bandol. Reçu, parfait. Et bien maintenant. Voilà. L'autre c'est Papa Tango. Charlie rappelle prêt. Au sud de Toulon, à gauche, hein, là, il est là, Papa Tango il est là en fait. Là tu peux lui demander de t'afficher les points VFR sur SDVFR. Voilà, Papa Tango. Voilà, après c'est Sierra Tango, c'est Porquerolles. Tu l'as juste là, ici là. Ça c'est le chemin, c'est l'itinéraire publié. Voilà, 1500 pieds max. Après de là, on va chercher Victor Charlie, qui est le point d'entrée là. Voilà. Et après, tu as Kuers qui doit être ici. Avion CQ3 pour me passer dans l'herbe pour le départ. Approuvé CQ3. J'approche Charlie, je suis prêt, je vais peut-être décoller de l'herbe parce que je sais pas si tu vois tous les oiseaux, Charlie. Okay. Là. Voilà, et donc le fort de Brigançon, il est là, c'est Charlie Lima, tu vois, Charlie Lima, le point Charlie Lima là, ouais. Et bien à droite, le rond rouge qu'il y a dedans là, c'est le fort de Brigançon, c'est la résidence du président de la République. Voilà, donc ça c'est bon, le moteur ben, il chauffe, hein. Normal, il fait froid. Donc on va mettre l'heure au GPS. C'est bon. Quelle heure il est? Bah c'est bon, j'avais dit 11h moins le quart, la mise en route, c'est parfait. Là, la température de l'huile elle est chaude, hein, c'est bon. Par contre la température des cylindres on ne l'est pas encore. Hein. Ça c'est les gaz d'échappement. Température. Ça c'est la pression d'huile. Alors la pression d'huile doit passer vers immédiatement dès le démarrage du moteur. Et la température des gaz d'échappement elle passe vers quasi instantanément. On peut avoir l'air chaud et chaud, hein, la sortie du moteur. Température d'huile minimum c'est quoi, 50? Ouais, il faut que ça soit vert. Ah. De toute façon cet avion c'est pas compliqué, tant que tu n'es pas vert, on bouge pas. C'est ça. Après, température des cylindres, on pourrait... Voilà, ça y est, ça va passer vert. On pourrait rouler. Par contre on fait pas les essais moteurs si le cylindre est pas chaud. Mais le roulage on peut le faire. Et au point d'attente, tant que c'est pas vert, tu fais pas tes essais. Tant que toi t'es pas vert et pas... Et de l'autre côté, c'est la température du carburant, à gauche et à droite, hein, l'ampèremètre et le voltmètre. Donc ça permet, là je vais tester par exemple l'alternateur. J'arrive à le sortir. L'alternateur là-dessus. Bah, c'est pas comme l'autre. Hein. Ouais, bon, bref. Ça c'est le master ça non? Ouais, c'est le master. Les deux, ouais. Donc on va attendre que ça redémarre. On va pouvoir appeler la tour. On avait dit 45, donc on est bon. Derrière, c'est tout bon? Impeccable. Ah, bon, on est bien alors. Et par contre, là, il y a les lumières. Tu vois, ils ont fait du vol de nuit. Voilà, là il y a une petite lumière rouge ici là, qui éclaire le tableau de bord. Il faudrait que tu règles avec ça. D'accord, ok. Mais là en plein jour ça n'a pas de gros intérêt. D'intérêt non. Bon, je suis surpris de 1007 parce que normalement on est à 120 pieds ici. Donc tu vois, le QNH qu'elle nous a donné à la 10, il est faux. Il n'est pas tout à fait exact. Hein. Parce que normalement on devrait être ici à 1009 et pas 1007. Après ça veut dire que la pression elle est en train de monter quoi, depuis le dernier. Là tu vois ils effarouchent les animaux là, les piafs. Tu vois la fumée? Oui c'est bon, il a tiré. Il tire là ouais.
Effectivement, il y a une nuée là-bas. Ouais, ouais. Ah, mais de toute façon, quand il y a du vent, les piafs, ils se régalent. Hein. Je les ai vus tout à l'heure. Eux, ils s'éclatent. Hein. Pour eux, c'est super, quoi. Avignon Tour, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour, Tango Novembre. Avignon Sol, pardon. Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Cessna 172 au parking Aéroclub. 3 personnes à bord. Pour un vol à destination de Cuers, ça sera une sortie Sierra Echo. On a pris l'information Bravo. Reçu 70-40 au transpondeur. Jeannot au QNH à 1008, roulez point d'attente Bravo et rappelez presse 122-6. 1008, on roule Bravo, on rappellera 122-6, Tango Novembre. Tu vois, la 10-1008, tu vois, donc c'est plus le 1007 de tout à l'heure. Ouais, 1008. Bon. Et le Lima Express est bien pris pour 1008, on arrive écho 1300 pieds pour quitter. Quitte, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Ok, allez, 48. Ouais, ça nous fait au plus tard, midi et demi, on sera à QRS, je pense. Enfin, le vent va nous pousser un petit peu quand même. Hein. Ok, alors ça, on est bon. C'est parti, les feux de line, c'est bon. Sécurité, personne. Allez, c'est parti. On va mettre le manche complètement à gauche. Bon, 25 nœuds maximum. Bon, ok. Après, la force du vent, c'est pas forcément le paramètre le plus primordial. Hein. 25, 30, 35, ce qu'il faut c'est qu'il soit bien dans l'axe. Hein. Après, pas à 10 nœuds près, tant qu'il est dans l'axe. Hein. Marc, plus il est fort et dans l'axe, mieux c'est. Hein. Ouais, le problème c'est qu'après on va l'avoir en plein travers quand on va se mettre en main de traversier. Ouais. Ça va pas être la même musique. Hein. Voilà, le vent est fort aujourd'hui quand même, donc on va pas faire de trucs. Alors là, on va se mettre au ralenti. On fait les essais moteurs. Donc les essais moteurs, en fait, le principe, hein, c'est tester les deux chaînes. Le fameux FADEC qui gère le pas variable de l'hélice. Hein. Il va tester la chaîne B en priorité. Donc il fait ses tests. Le principe, c'est qu'il fait monter le régime moteur et il se met en grand pas. Et juste avant de caler, hop, il se remet un petit pas. D'accord. Voilà, c'est comme si en voiture on était au feu rouge, hein, on accélère et on essaie de passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et juste avant de caler, on revient au point mort. C'est exactement ce qu'il fait. En gros, il teste l'efficacité de son pas variable. Voilà, c'est tout. Et on peut pas faire plus facile, hein, là, sur cet avion-là, les essais moteurs, c'est assez facile. Hein. Ok, on va déposer le complet contrôlé. Alors je dirais que la difficulté majeure d'un vol comme aujourd'hui pour la partie décollage, hein, ça va être de tenir l'avion quand même longtemps au sol. C'est-à-dire qu'avec le vent, il va avoir tendance à décoller immédiatement. Donc il faut bien attendre d'avoir la vitesse, pour éviter de se retrouver après au second régime, quoi, hein, dans une situation où l'avion il monte plus, il descend plus, bref, c'est galère. Donc il faut quand même bien le tenir au sol. C'est ça la difficulté, si on peut parler de difficulté quand il y a du vent. Même si le vent n'est pas très violent, hein, 25 nœuds c'est pas très violent. Avec Pascal, on avait fait 35. C'est déjà quand tu passes la barre des 30, c'est plus la même, quoi. Voilà, allez, là on est bon, je passe sur la fréquence tour. Lui, il est bon, ça c'est ok. Grande volée. Fox Tango Novembre, on est au point d'attente, Bravo, prêt pour remonter la 35 et s'aligner. Tu pénètres, remonter, rappel aligné prêt. On remonte, on pénètre en... et on rappelle aligné prêt, Fox Tango Novembre. Il va falloir faire le virage à droite là. Allez, allez. Voilà. Là c'est bien, ils ont rajouté des petits panneaux, presse 330 mètres, 540. Alors effectivement, vu le vent, vu la longueur de piste et vu notre charge, on en aura assez pour décoller de là bien évidemment. Mais ici il est demandé logiquement de remonter la piste. Hein. Déjà, parce que si t'as une panne moteur au décollage, ça te permet d'avoir plus de pistes devant toi pour atterrir. Ce qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, pour les nuisances sonores, plus tu décolles loin, plus tu es haut au seuil opposé et moins tu fais du bruit pour les maisons. Donc là, on a le vent dans le cul, on pousse le manche, hein, pour empêcher l'avion de se cabrer. Donc là, j'appuie bien le manche à fond.
Déjà on voit que lui je ne l'ai pas réglé, je vais le régler quand on sera aligné. Conservateur de cap. Avion timer 20 Echo Foxtrot, ready taxi. Alors j'ai pas annoncé l'autonomie. Copy taxi holding point Bravo. On a 6 heures d'autonomie, 120 minutes. Hein. Ouais, 16 heures d'autonomie, Bravo. On a 6 heures d'autonomie, ça nous fait un arrêt moteur à 16h45 heure locale. Je pense que même à 16h45 on sera rentré. Quoi. On peut aller en Corse là, non? Ah, largement, c'est l'aller-retour même. Largement. J'ai pas fait le plein. Hein. Avec ta mode var, moi tu fais Avignon-Propriano, Propriano-Ajaccia, Ajaccio, on faisait un petit tour par Bonifacio, et Ajaccio-Avignon. Sans refouler. Sans refouler, moi. Oui, t'as plus de 7 heures d'autonomie avec cet avion. Après, ça dépend s'il y a du vent. Ouais, si t'as du vent de contre, ah ben oui, ça là pour le coup, ça augmente la durée du vol. La finale est dégagée, on va s'aligner. Et on rappelle. Voilà. On va déjà régler le conservateur de cap. On va vérifier qu'on est bien attaché parce que on peut être secoué quand même sur la partie montée initiale. C'est bon, ok. Ok, là on est bon. Ouais, confirmé pour moi aussi. Parfait, on va régler le conservateur 350. Bon, lui il est toujours aussi faux le compas, il y a une petite erreur. On est bon, la pompe est bonne. On est ok ? À 30 volets. Ok. Nicolas 54. Avignon Tour Fox Tango Novembre aligné piste 35 prêt pour décoller. Décollage 35 vent 350 degrés 28 rafale 38 nœuds. Rafale 38 Tango Novembre. On décolle piste 35. Ah, tu vois le vent il augmente un petit peu, on va attendre un peu que la rafale se baisse. Bon la manche là-bas. Les rafales elles durent jamais très longtemps donc il faut bien attendre. Parfois t'attends quelques secondes. Allez, on est parti. Parti pour un peu de lessiveuse. C'est parti. Allez. Ah, la puissance est affichée. Le banner est actif. Ah, je décolle déjà quoi. Je suis obligé de le garder au sol. Timer 20 Echo Fox, if you're ready, you can enter 35 backtrack lineup and report ready to copy departure clearance. Enter backtrack and lineup runway 35, ready to copy timer 20 Echo Fox. 5000 feet on omni directional departure heading source by left turn and 1000 for the squawk. Second please. Omni directional departure heading south by left turn. 5000 feet, unit 1008, 1000 for the squawk. Unit 1008, omnidirectional departure, turn left heading south, initial climb clear 5000 feet, and squawk 1000, time at 20 Echo Fox. That is correct. Finalement, un décollage avec un vent comme ça, c'est idéal pour les riverains. Ouais, mais que pour eux. Tu es plus haut, le bruit il dégage vite vers l'arrière, quoi. À 30 nœuds. Il est monté de suite, hein. Donc, Avignon et le palais des papes. Par contre, après, évidemment, pour rejoindre les points habituels, c'est un peu plus long, quoi. Ouais. Ah, c'est bien, ça donne le temps de filmer, ça, c'est pas mal.
On passe en Altea et toute la zone du Ponte là. Sur notre sur nos 11h. Là je vise les dentelles de Montmirail. En montée initiale on était en 44 nœuds en vitesse sol. Hein. Ah oui. Ouais, donc on avait 40 nœuds de face. Et là tu reviens en vent arrière là. Ouais. Mais j'y vais doucement pour éviter qu'on se prenne une baffe. Ouais. On fait un virage 2. Rejoindre Sierra Eco Fox. C'est ça. MR 20 Echo Fox, clear takeoff 35, wind 340 degrees, 28, gust 38 north, report passing for penalty climbing. Echo Fox, runway 35, I recall you passing 4000 feet. Zero Echo Fox, au sol. Là tu vas voir la vitesse qu'on va augmenter, la vitesse sol. Ah oui, là c'est la GPS, c'est la vitesse. Vitesse sol, elle est là. Vitesse sol, là c'est la vitesse affichée. D'accord. On avait 44 nœuds en montée initiale. Là la vitesse R. La vitesse R, elle est à plein fil. Pardon ? Remets les ailes à plein qu'on voit décoller l'autre là. Ah putain, voilà, ça y est. Non, il n'est pas encore parti, c'est bon. De toute façon, je vais remettre à plat parce qu'il faut que j'évite de Gaumont. Il n'a pas encore branché. Ah, ça y est, il bouge. Je baisse un peu la piste. Vers la droite, Gérald. La piste là, au départ. Ouais. Là, il passe le peigne là-bas. Je vois. Jet, là. On a 142 nœuds là. Oh, par contre, ça secoue. Hein. Ah, lui aussi, il fait la fusée. Hein. Ouais. Oh la vache. Bah, il a un taux de montée impressionnant. Et hop, là, il perd ce cockpit. Ah ouais. C'est pas la même histoire, hein. Ah bien, ce que tu crois, je rentre à la maison. Ouais, si. Bon ben tout à l'heure ça ira mieux, on sera vraiment à secouer. Sierra Eco c'est la... Avion Fox Golf. La gravière que tu vois, le lac bleu clair. Tu vois le turquoise, le turquoise que tu vois. Charlie Golf, bonjour. Charlie Golf, 1-4-4, deux personnes à bord. Départ Courbesac, destination Carpentras. On aimerait transiter à 2500 pieds par Whisky. C'est une sortie en direct vers Carpentras si possible. Donc voilà Sierra Eco. Avion, direct. Reçu, vous souhaitez qu'on entre à quelle altitude? 2500 Charlie Golf. Vous êtes vraiment pile à la limite entre la CTR et la TMA. Alors surtout ne dépassez pas les 2005. Hein. On connache à 1707 et le transit est approuvé, rappelez vertical. Transit approuvé, on rappellera vertical, le QNH 1007, on restera bien sous 2500 pieds, Charlie Golf. Donc non, vous arrivez en sortie, 7000, quittez. 7000, on quitte la fréquence à ce soir, au revoir. Avion, timer 20, Echo Fox. Regarde la fréquence de Provence, si tu la trouves. Tu vas l'avoir, Provence Information. Il y a celle-là, mais il y en a une autre. 123-500. Il y en a une autre. Là. Parce qu'il faut chercher plus vers là-bas. Je sais plus. Alors je vais regarder. TMA Provence, non, Provence Info. Ouais, c'est ça. TMA Provence. Ouais. 124-350. Hein. T'as pas du 131 quelque chose hein. Voilà, 132-3. C'est celle-là en fait. Alors attends, pourquoi j'arrive pas à 132-300, ouais. 132.3. C'est bon. Je vais essayer où on a le visuel. Parfait, merci. Et les collines pour quitter. Colima passé avec le Castellet 119-0 plus tard. Plus tard, merci. Bon, bien traversé un message, on peut négocier transit Whisky 2. Allez-y, faites 31 Whisky 2. Merci, Whisky 2.
Fox Hotel Charlie Alpha Charlie, the traffic is no longer factor. Contact X118750. With X118750, Fox Hotel Charlie. Cavaillon. Ouais, là, la ville de Cavaillon à gauche, ouais. Fox Zulu Bravo, donc les deux trafics sont au sud de votre position. Un qui a quasiment Alpha Echo, même altitude, et un qui est 500 pieds au-dessus de vous, au sud-est de votre position. On a visuel sur un trafic qui arrive vers Alpha Echo, et on a visuel sur le deuxième également, pas derrière le deuxième, donc on rentre sur X. On est parti, merci beaucoup. Pris ta fréquence du coup. Ouais. Ouais, vous pouvez, mais vous pouvez attendre un petit peu si vous voulez. Et j'attends un petit peu alors. Fox Alpha Yankee, un deuxième trafic WT9 qui a visuel sur vous, travers droit. Un nautique, il est 600 pieds bas, il est visuel sur vous, il passe derrière vous. Alpha Yankee, oui, on a le visuel. Parfait, merci. Alpha Yankee, passez avec la tour d'Aix 118-750. Passez avec l'Aix Alpha Yankee, merci. Charles Lima, je vais quitter votre fréquence pour prendre la tour d'Aix puis passer avec la tour. Fox Charlie Lima, c'est approuvé, par contre il faut bien passer par Lima Papa et Alpha Novembre, il y a la zone pure Icar qui est active avec le para qui est déjà... On va mettre la tour de Aix. Bien pris, Fox Charlie Lima. Vous pouvez passer avec Aix, 118-75, au revoir. Merci, 118-75, au revoir. Vous, visuel sur le précédent, pour passer avec Aix. Parfait, vous leur dites que vous l'avez en vue, hein, devant vous, et passez avec eux, 118-75, au revoir. Au revoir, à tout à l'heure, merci. Provence, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord. On vient de décoller d'Avignon, on a passé Cavaillon, on prend le point, on fait une directe sur Lima Papa, et ça sera un transit des zones de Aix-les-Milles par Novembre Alpha, Alpha Echo, pour rejoindre après le terrain de QRS. Reçu, alors c'est assez chargé au niveau d'Aix-les-Milles, vous voudriez pas passer plutôt par la CTR de Provence, Novembre Bravo Echo ? Bon, on va prendre Novembre, ouais, si c'est chargé, on prendra Novembre Bravo, Novembre Alpha, Novembre Bravo, c'est ça ? Voilà, c'est ça, et après, après vous allez vers les points Echo. Ok, avec une... Ah d'accord, vous voulez que je passe par là, ok, d'accord. Ok, c'est bien pris. En fait, vous contournez donc la CTR d'Aix en passant par la CTR de Provence. Ouais, c'est bien pris, Tango Novembre. On rappelle Lima Papa ? Oui, vous pouvez faire route directement sur Novembre Alpha si vous voulez. Ok, on essaie de faire route direct sur Novembre Alpha. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai prévu moi. Ouais. Fox Lima Delta India, passe avec la tour 133 unité, au revoir. Au revoir. Sierra Zulu, rebonjour. Sierra Zulu, je retourne, on passe au-dessus de Saint-Maximin, on monte vers 4500 pieds et pour un retour sur les Castellets. Il va falloir que j'ai reçu, rappel en vue du Castellet. Bien sûr, rappel en vue du Castellet, Sierra Zulu. De Novembre 63275, bonjour. Province du Fox Mike Papa, et j'arrive bientôt secteur Montpellier, je quitte la fréquence. Fox Mike Papa, passé avec Montpellier sur 134 décimales 375, au revoir. Province du Fox Bravo Victor Mike Papa, j'arrive secteur Montpellier pour quitter la fréquence avec vous. Fox Bravo Victor Mike Papa, passez avec Montpellier sur 134 décimales 375, au revoir. Fox Mike Papa, vous me recevez? Fox Sierra Zulu, c'est radio? Sierra Zulu, écoute. C'était pour un essai radio, merci. Merci.
Fox Bravo Victor Mike Papa. Fox Golf Bravo Tango Noir, on passe avec la tour de Provence sur 133 unités, au revoir. 133 unités avec la tour de Provence, merci monsieur. Provence de novembre 63275, bonjour. Novembre 63275, bonjour. Bonjour, novembre. J'essaie de voir un peu là parce que bon, tu me fais passer par un truc. Pas trop ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Provence Tour, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf Bravo Tango Novembre, bonjour, je vous écoute. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, 1672, 3 personnes à bord. Provenance d'Avignon à destination de Cuers, libéré par Provence. On avait l'intention de faire un transit des zones de Aix, mais a priori c'est un peu trop bouché. Donc on nous renvoie sur vos zones pour transiter Marseille-Provence et rejoindre Cuers par le côté. Tango Novembre, reçu, donc vous voulez faire une verticale et ensuite le transit côtier par le point Sirac. Oui, on va faire comme ça, je connais très bien le coin, donc ce sera plus facile parce que là je n'ai pas préparé du tout cette nave-là. Donc je propose de faire une verticale de vos installations par Novembre Alpha, Novembre Bravo, et après le transit côtier classique est publié. Il n'y a pas de souci, Tango Novembre, poursuivez le transit, vous êtes à quelle altitude? Actuellement nous sommes 1700 pieds, QNH 1007. Tango Novembre, transit approuvé, 1500 pieds, les QNH toujours 1007. Route Novembre Bravo, verticale des installations et les points Sierra ensuite, rappelez avant de croiser les axes. Novembre Bravo, la verticale, on rappelle avant de croiser les axes, c'est 1500 pieds QNH, Fox Tango Novembre. Fox Victor November, contact Provence Information, 124.35, bye bye. On change le plan, hein. Pas grave, hein. Ça fait partie des... Bonjour, Algérie 1068, sur Madra, on monte 200 vers le 4000 pieds. Donc je vous explique. Bonjour, Algérie 1068, poursuivez l'approche 31 droite. On n'est pas rendu où il y a les plumées là-bas. Oui. Comme ça, et comme ça. Comme ça. On fera plus de mer. Victor November, contact Provence Information, 124.35. Ouais, de l'aéroport. Donc Novembre Bravo, c'est le radar qui est face à nous, l'espèce de tige avec la boule. Oui, je vois. C'est Novembre Bravo, voilà. On va chercher ce point. Après, on fait la verticale de Marseille. On va faire un tarif. Oui, oui, c'est Marignane là. Ouais. Ah, ok. Max 734, on a Max 734. Ouais, Max 734, contact ground 121, décimal 905. Bye bye. On a fait, on a simulé avec le VATIP. Ouais. Bon, on a fait quelques vols dans les parages. Et Fox Tango Novembre, si jamais vous avez le grand tour, ça vous fait un peu long, en plus ça se coupe pas mal peut-être vers le côtier. Si vous voulez une montée 3000 pieds pour passer vers la CTR d'Aix, il n'y a pas de problème pour moi. Hein. Bah écoutez, oui, éventuellement, oui, de la position, je pourrais joindre Gardanne, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, bah, je suis preneur. Je vous rappelle. C'est bien pris. Je passe Charlie Point tout à l'heure. Fox Tango Novembre, la montée 3000 pieds QNH 1007 approuvée, route Gardanne, et je vous rappelle pour passer avec Provence Info. C'est bien pris, merci madame, montée 3000 pieds direct Gardanne, Fox Tango Novembre. Et l'autre station plante, c'était Delta India? Négative, was from Victor November, when we tu vois, elle a dit qu'on allait se faire secouer, donc on peut pas les jouer, hein. Ok, Fox Victor November, contact Provence Information, 124.35, bye bye. Oui, Provence, 124.35, merci beaucoup madame. Fox Golf Lima Delta India, j'ai pas de trafic à vous aller les environs de la phare, vous pouvez dès à présent quitter pour le retour. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Quand même Aix, mais au-dessus. Bah c'est ce que je comptais faire au départ, mais bon à 2500 pieds quoi. Là on voit les Alpes à gauche là-bas. Ah oui. Alors on voit le terrain de Marignane. Tango Novembre, recontactez mon collègue de l'info sur 124.35, il a vos éléments. Bonne journée. 124.35.
jusqu'à décimal 35 en vous remerciant et bonne fin de journée. Au revoir madame. Procédure. Reçu pour Sierra Zulu, on passe avec le Castellet, on a reçu l'information trafic. Merci, au revoir. Au revoir. Marseille information, Fox Tango Novembre, 16972. En montée 3000 pieds, on passe 2700 direct Gardanne. Ok, parfait. Vous pouvez poursuivre un peu la montée, même si vous voulez 3005, si ça vous va. Ah, je prends, je prends. Allez-y, 3500 pieds, 1007. 3500 pieds, 1007, on rappelle stable Tango Novembre. Fox Golf Charlie Alpha Romeo, Fox Tango, la petite demandée. On va vers 3000. C'est le relief là. 3000, c'est ça? 3000? Non. 3500, reçu. Vous me rappelez si vous pouvez poursuivre la montée. Oui, ouais, on va rester à 3500 en fait. On vient là. 00. Là, vous allez voir Marseille sur la droite. Comment ça produit? Novembre 28, Fox X-Ray, bonjour. Novembre 28, Fox X-Ray, bonjour. Et donc à Baron 58, novembre 28, Fox X-Ray, on vient de décoller d'Aubenas à destination de Dex et on transponde actuellement 54-71 et serait, on va monter au niveau 75. Alors initialement, vous stoppez la montée niveau de vol 55. Au 55, Fox X-Ray. Et voilà, Marseille à droite. Hein. Gardanne devant. Gardanne devant, Aix en Provence, on va bien le voir quand on va se mettre en palier. Et là vous avez la 7 de Victor November, is it okay to make the whole transit at 2000 feet? While I'm checking with the Toulon Colivac. Roger, but Victor November. C'est plus stable quand même ici là. Ouais, et on est un peu plus haut aussi, le Mistral à partir de 2000-2005, il est moins violent. Hein. C'est comme le côté, tu dois te tanker à 1500 pieds max, t'es en pleine turbulence du Mistral quoi. D'ailleurs t'as qu'à voir comment la mer elle est ridée là-bas. Ouais, on le voit. On voit bien Marseille. Fox Tango Novembre, on est stable 3500 pieds, QNH 1007, on fait route Gardanne. Ok, parfait. Après, vous faites route sur Tango Victor ou sur 13 Ça sera la Bouilladis, verticale au Bagne, et puis après, on ira partir sur le Castellet, Pandol et le transit côté publié jusqu'à QRS. D'accord, ça va, merci. Novembre 28, Fox X-Ray stable 55. Merci, je vous rappelle. Voilà. Ah, ça va un peu mieux là. On va enfin pouvoir commencer à apprécier. Apprécier, ouais. Donc là, on a Aix-en-Provence à gauche. Hein. Donc Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire. La rade de Marseille. Hein. Oh, le Victor Novembre s'est approuvé pour le transit côtier à 2000 pieds, passé avec Toulon sur 118 décimal 825, au revoir. Alors on est en vertical avec ça. 118, can you get the Fox, sorry Victor November. Sorry Fox Victor November, contact Toulon 118 décimal 825. 118 décimal 825 and copy for 2006 for Victor November. Merci, merci. On commence à préparer là. Toulon. De toute façon on est vertical terrain là non? Ouais. Ouais. Excellent. On peut pas le voir donc. Voilà. Bah, de toute façon regardez les fumées de Gardanne, comment elles montent. Les Alpes sont bien dégagées là-bas aussi. Hein. Ça sent plein Peter? Oui bonjour Fox Golf Charlie Tango Québec, t'as 28 de gauche, c'est le Luberon là, on voit la montagne. La prochaine fois Tango 2200, voilà, montée 2300, c'est juste après là, c'est le Luberon. Retour Alpha Echo et le Luberon là, ouais. Le petit reçu, poursuivez. Bah le premier là, ouais. Là tu suis le, tu sors de Aix, une petite colline, c'est ça, ouais. Tu vas dans la vallée de la Durance, ouais. Et après t'arrives sur le Luberon. Donc le haut Luberon, il y a une, je sais plus que c'est quoi, c'est une antenne, c'est quoi? Ouais, c'est le Bourg Nègre. Ça s'appelle Bourg Nègre, c'est le nom du sommet. Ok, 55, Fox X-Ray. Voilà, là vous avez Aix, en Provence à gauche. Je vois, je vois. Aix en Provence. Bon, ben on peut saluer tous les copains là. Ouais. Là on a la
On a un aqueduc là, juste là. Ouais. En sortie, on le voit quand on prend l'autoroute pour aller à Nice. Fox Tango Novembre, si ça vous convient, poursuivez la montée niveau de vol 4, poursuivez la montée à 4000 pieds 1007. 4000 pieds 1007, Tango Novembre. Un trafic dans le secteur Sainte-Victoire qui est à 3005, comme ça, ça vous sépare un peu plus. C'est bien pris, Tango Novembre. Là, en fait, on suit l'autoroute qui va juste à Nice. Et là, à la sortie de Aix, il y a un morceau qui part sur Aubagne pour aller vers Toulon. Plutôt la Ciotat. Fox Golf Charlie Alpha Romeo, maintenez 3005 si c'est possible. À moins que vous rentriez maintenant. Non, je vais partir du Nord, là, je vais prendre un cap pour le Nord et je vais monter 3005 si vous voulez. Oui, alors remontez vers 3005 et j'ai un trafic 500 pieds au-dessus et 500 pieds en dessous. Ok, d'accord, le trafic au-dessus, c'est ça? Alors là, si vous prenez la rente au nord, ça va être conflictuel surtout par pour un trafic en dessous de vous, là, qui est 500 pieds, 400 pieds en dessous de vous, un PA28 dans vos midi pour 4 nautiques. Ok, d'accord, on monte 5 et on surveille. Merci. Pour ça, vous Fox Golf Charlie Tango au Québec, un trafic ralissant dans vos midi, 3 nautiques, route opposée, et qui est 600 pieds plus haut maintenant. Pour le trafic, on cherche Tango Québec. Là, on voit bien la Sainte-Victoire, là, sur la gauche. Non, c'est Fox Charlie Lima, bonjour. Fox Charlie Lima, bonjour. On va sur Fox Golf Romeo Charlie Lima, 1P1 APM 20, deux personnes à bord en provenance d'Aix à destination de Vinon en passant par Alpha Echo. Je monte à 3000 pieds QNH 1007 transpondeur 6125. Reçu, identifié, allez-y, vous m'avez dit 3000 ou 3005? 3000, Fox Charlie Lima. Très bien, montez 3000 pieds, 1007, vous rappelez pour tout changement. 3000 pieds, 1007, Fox Charlie Lima. Au Québec, on vit du trafic, ça croise pour passer avec la tour d'Aix. J'ai pas compris la fin du message. Dans le Québec, on a croisé le trafic pour passer avec la tour d'Aix. On va voir après quand vous serez là, sur Aix, le Tango Québec. Restez encore un peu avec moi, rapidement, vu le trafic à Péliza, qui est 300 pieds plus bas, qui va sortir par Alpha Echo également. Alors, si on cherche le trafic à Tango Québec. Alors, pardon, excusez-moi, il est 400 pieds plus haut, Ah, reçu, bah, on se prend en décembre 2000, qu'on serait pas contractuel. Allez, parfait, et passez avec Aix-118-75, au revoir. Merci, au revoir. Prends un goûter, il faut que c'est Charlie Alpha, Charlie. 200 pieds de plus parce qu'on a un mec qui est Charlie, Charlie, Alpha Charlie, bonjour. Fox Charlie, Charlie, Alpha Charlie. Là, c'est la 7 de bombe là-bas. Alpha Echo, 2005. Là, on a la grande de bombe. Ailleurs, sur un navigation flight sur X-1000 tout 4. Et le Castellet est juste derrière. Alors, Roger, do you have visual with the APM 2 on your 12 o'clock, 2 nautical miles ahead of you, 400 feet above? Roger, something inside the Fox Alpha Charlie. Ok, so climb 3000 feet 101. Vous avez la ville de Marseille à droite là-bas. Climb 3000 feet 1007 Fox Alpha Charlie. Fox Charlie Lima, un trafic dans vos 1h 3 nautiques 1000 pieds bas qui rentre sur Aix, ça devrait plus gêner, et un trafic derrière vous DA42 qui a visuel sur vous et qui est 300 pieds plus bas pour l'instant mais qui monte vers la même altitude. Bien pris Fox Charlie Lima, on prend un cap 023 vers Manosque. C'est noté. Fox Hotel Charlie Alpha Charlie, vous voulez poursuivre la montée ou do you want to stay at 2000 feet or you want to climb further? Request to climb flight level 55, Fox Alpha Charlie. Fox Alpha Charlie, that's copied, approved, climb flight level 55. On voit les îles du Frioul, les petites îles, derrière les deux grandes tours que vous avez, c'est les îles du Frioul, avec notamment le château d'If. Et à partir de là, la zone où il n'y a plus de maisons là, tout ce massif, c'est le massif du Garlaban. C'est le Garlaban. C'est en fait là où se passent toutes les histoires de Marcel Pagnol. Ouais. Pendant des ours, Jean de Floret, tout ça, ça se passe là. Non, c'est la montagne de Pagnol ça. Okay. Et le pic le plus haut, c'est le pic du Garlaban, c'est l'espèce de petite pointe qu'on voit là. Espèce de petite mamelon juste devant toi. Qui est juste à gauche là. Il est à droite, le Garlaban est à droite. Ouais.
là, ouais, l'espèce de forme particulière. Et si tu zoomes bien dessus, tu verras quand on va passer travers, il y a une grande et pour un fois, belle bonjour du Fox Hotel Uniform Media Tango. Bon, alors ceux qui ne connaissent pas, regardez la couleur de Uniform Media Tango, bonjour. Eh bien bonjour, PS 28 au décollage du Castellet pour Excel et 1000 passant 2800 pieds à monter vers 3000 ans. Reçu, allez-y 1007 et vous m'en avez pour tout changement. QH 1007, on vous rappelle, prochain SPR de Excel 1000. La vue à droite, il y a un pas de vol. Pour l'instant, restez à 4000 pieds max. Un trafic à IFR sur la procédure, comme j'ai pas encore votre position radar, je vous rappelle. Bien reçu, bientôt. On va faire tour Fox Alpha Romeo, on va commencer à prendre un cap. On voit bien là. Pour aller faire ça va être l'air parce qu'il y a un trafic qui arrive du Castellet qui va être. Donc on va croiser. Et lui il a 3000 normalement. Allez-y Alpha Romeo 2005 approuvé 1007. Ouais. En face de nous, si on continue comme ça, la ville côtière c'est classe 6. Et à gauche on va Golf Charlie 1973. J'adore les leçons de géographie comme ça. Golf Charlie India 1973, bonjour. Bien le stand de Vélodrome là-bas. Bonjour, ouais. Golf Charlie 1973. Ouais, le Vélodrome. Avec les calanques qu'on voit pas bien évidemment, qui débutent du bout à droite là. Ouais. Et qui finissent jusqu'à classique. C'est toute la zone là. C'est par là que je comptais passer. Mais il a dit qu'on allait se faire branler donc. Donc le gare là-bas en dessous là. Le gare là-bas est juste là, ouais. Je vais ouvrir un peu pour que vous voyez mieux. Field of departure is Albenga in Italy and the destination is Pesio. Au sommet, il y a une croix. Do you have the code of Albenga? Elle est juste là, la croix là. On va y arriver Lima, de travers. India Mike Golf. Ok, copy. Derrière le banc. Do you want to stay at this altitude? Elle arrive là. If possible, we will maintain 3000 feet. Ok, 3000 feet approved, QNH 1007. And you're heading direct to Pesio? If possible, yes, we are heading direct to Bézier, straight to the initial approach mix. Il y a un ferry là-bas. Continue à cette petite. Tu le vois le gros ferry qui arrive hein? Le ferry. Il y a un ferry qui arrive pour, dans le port de Marseille, là-bas au pont. Un bateau de croisière ou un ferry, je ne sais pas ce que oui, c'est. Ouais. Oui, maintenant, et pour information, dans vos midi, 11h, un trafic qui est 500 pieds plus haut que vous, c'est 972, droite-gauche. C'est bien noté, Niatango, nous maintenant 3500 pieds qu'on a 1007, pas de visuel sur le Cessna. Bon, il est encore loin, je pense qu'il passera largement loin de vous, donc ça devrait pas poser de problème. Oui, Tango Novembre, c'est 972, on est 4000 pieds, on vient de passer la verticale du péage d'Aubagne. Et on aimerait se diriger vers le Castellet, toujours maintien qui est 4000 pieds. Reçu, vous vous posez au Castellet ou pas? Négatif, ça sera une verticale et après on ira chercher Bandol. Très bien, peut-être que je vais vous demander de monter dans ce cas-là, je vous rappelle. Oui, oui, très bien, merci. On va en Alfa Romeo, on est vous le voyez, pour le Castellet pour passer avec les 1000. Alpha Romeo, passez avec eux 118, 75, ouais. Au revoir. Merci, au revoir. La 6, elle paraît à gauche là. Là t'as la Ciota là. L'avion est à gauche là-bas. Bonjour, tu le vois? Ouais, juste tous les reliefs. C'est copié? Je crois que c'est celui qui part du Castellet. Il va te passer sous l'aile. Avec Marseille Info sur 125. Il va te passer sous l'aile. Avec Marseille Info 125. Dans l'axe à gauche. Station à plan, répétez l'indicatif. Provence Fox Alpha Charlie for your request to divert to QR. Oh, c'est bon, elle a passé là. Ok, Fox QR, Fox Alpha Charlie, Alpha Charlie. Fox Tango Novembre, est-ce que vous pourriez monter vers 5000 pieds 1007? 5000 pieds 1007, il y a trop, on descendra sur Bandol, c'est bien pris. Oui, en fait après, oui sur Bandol, enfin à partir du Castellet, une route sud pour descendre, c'est bon? Oui, ce sera bon, ok, pas de soucis. Donc vertical, Castellet, c'est 1000. Affirme. Ok, on monte, c'est 1000, on rappelle, stable. Se mettre en descente pour le point Alpha Novembre. Il doit y avoir du fond là. C'est approuvé, descendez sur Alpha Novembre, rappelez en vue d'Alpha Novembre. Descend sur Alpha Novembre et on rappelle en vue d'Alpha Novembre, faut que... C'est le problème quand tu évolues dans des zones comme ça, assez chargées, tu
peux pas faire vraiment ce que tu veux, parce que là, 5000, ouais, je peux commencer. Jean Victor Tango, bonjour, je vous rappelle. C'est beau, hein? Ah bah oui. Oh là là là. C'est là que t'apprécies d'avoir un turbo, il y a un turbo. Et le Tango, est-ce que la zone des pylons est active? C'est pas si de parler, moi. Allez, je sais plus, regardez tellement c'est beau partout, là. Province du Fox, t'avais dit combien d'avant? Fox Golf, bravo, Tango novembre, montez même niveau de vol 55 s'il vous plaît. 55, on aura du mal à l'atteindre avant d'arriver au Castellet, monsieur, on fait le maximum. Hein. Reçu, oui, faites au mieux. Ah, ou alors, en fait, sinon vous tournez dès à présent vers Bandol. Bon, on va tourner dès à présent vers Bandol, monsieur. Ça sera plus simple. Final IFR, en fait, qui si remet les gaz, on remontera vers 5000 pieds, donc c'est pour éviter ça. Je comprends tout à fait, monsieur, il n'y a pas de souci. On fait une mise en virage pour Bandol. C'est merci. Il y a une IFR qui va se poser. Et ben, donc, si on est dans la remise de gaz. Attends, vous, j'écoute. Est-ce que la zone du bilan est de... négatif. Faut tangenter un petit peu la position. Bon, vous voyez le circuit de Formule 1 là. Ça aurait été mieux si on avait passé dessus, mais. Bon, ça va très très charmant. On le verra bien là. Ok, you can leave frequency and afterward you can contact directly QRS. Oh, le réglage. Ok, we will contact directly QRS, Fox Alpha Charlie. Thank you, goodbye. Goodbye. Que le circuit, il est. Le on a 42 personnes à bord au départ d'Avignon et à destination de Gap pour à destination de Gap. Le Grand Prix de Formule 1 il passe à Rennes. Rappelez-moi dans 5 minutes pour quitter la vacance, c'est passé avec Marseille Info. 700 fondeurs, on monte. Et donc le Castellet. Quand on voit le Castellet, on pense à qui? Je sais pas. Eric. Pourquoi? Eh ben c'est lui qui l'a fait. Ah mais oui, oui, oui. Pardon, Fox Victor Tango. FS-X3D. Fox Tango 1007. 7 Fox Victor Tango. Unité 007. Mais j'ai pas vu saluer lui qu'on est passé au fait, je l'ai pas vu. Hein? Il y a Tango passé avec 1075, au revoir. 1075, d'accord à vous. Ouais, stable et tout, tranquille. Ah, pas de bol, il y a juste un IFR qui arrive à ce moment-là, quoi. Vraiment pas de bol, hein. Pour la peine, on va tourner dans la baie de Assouda, voilà. Faut que c'est un endroit, du coup, après, vous voulez rester à quelle altitude sur le transit côtier? On va prendre le transit à 1500 pieds, peut-être, pour rejoindre le point de Papa Tango. Reçu, ça devrait aller, je vais voir avec Toulon. Merci, monsieur. Bon, je lui casse bien les couilles ce matin, le contrôleur, hein. Mais bon. Ah mais il est sympa le mec quand même, il fait son boulot hein, mais sympa. Donc là t'as les calanques derrière, tu vois, qui arrivent derrière avec Cassis. On voit un petit peu d'eau qui rentre dans les terres, je vois. C'est la ville de Cassis là. Donc là je vais tourner comme ça parce qu'il faut qu'on fasse le transit, c'est 1500 pieds. Donc là c'est la Ciotat là. À droite ouais. De la Ciotat, ouais. Après il y a Saint-Cyr et Bandol. Ouais. Et Sanary. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais proposé à donc un ami là, Dominique, qui habite dans les environs de Toulon. Donc c'est en gros devant, on va passer avec Toulon sur 118 décimal 825, au revoir. 118 825, merci monsieur pour le transit et bonne journée à vous, au revoir. Merci également. Toulon, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf, bravo Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf, bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord, provenance d'Avignon, à destination de QRS. On passe à travers la Ciotat, libérée par Provence, Marseille, je ne sais plus très bien. On souhaiterait rejoindre le transit côtier par Papa Tango, Sierra Tango, en vue d'une arrivée sur QRS en transport de 7000, actuellement 2100 pieds, en descente 1500 pieds. Donc c'est Tango Novembre aussi, donc les transports des 70-53, le CNH de 1005 et procédé Papa Tango et Papa Charlie pour remonter sur QR. Papa Tango, excusez-moi, j'ai tenté de régler QNH. 1005 et 05.
1005, oui, et le transit Papa Tango, et à l'issue Papa Tango, si vous voulez remonter sur QR, ce sera Papa Charlie et Sierra Lima. Papa Charlie et Sierra Lima. C'est correct. C'est bien pris. Rappelez Papa Tango. Rappelle Papa Tango. J'ai déjà oublié les points qu'elle m'a donné. M'a dit quoi? Papa Charlie et Sierra Lima. Sierra Lima, ouais. Putain, je trouve plus moins stylo, moi. Et sorti Sierra Lima, ouais. Putain, vous avez un crayon sur vous? Victor November, mais pas, c'est pas ça. Tu as sauté ce con. Moi, j'en ai un bravo tour Tango Point, ouais. Bravo Tango Point. Attends, ouais, mais il est attaché autour de mon cou, faut pas l'enlever. Oui, bravo Tango Point. C'est pas ça. Je vais voir sur la carte, là. Putain, j'ai déjà oublié. Tu vois, si je le note pas, j'oublie, moi. Je suis comme ça, hein. Déjà, je sais plus les points qu'elle m'a donné. Papa Tango. Ouais, là je l'ai, c'est Papa Charlie, Sierra Lima. Papa Charlie, elle t'a dit. Ouais. Bon, bah, ça va, on va chercher où il est celui-là. Papa Charlie. C'est ça, Papa Tango qui est l'entrée sud-ouest de Toulon. Sierra Tango qui est l'île de Porquerolles. Papa Tango. C'est le Papa Charlie qui m'a donné là. Bah, ça va faire quand l'autre fois, on va encore passer à Beta Ushnov. Sierra Lima, c'est le point. Et t'as au la au nord. Tu, quand tu es à Papa Charlie, tu vas au nord, Sierra Lima. Ah, tu l'as, d'accord. Ok, parfait. Donc là, t'as Papa Charlie direct. Là. Papa Tango, Papa Charlie, super. Bon, ben voilà. T'es notre guide. Fox Victor Madame Vox, il y a du coup pour aller sur le Tango. Ah non, mais des fois, il le faut, hein. Bravo Tango, je veux dire. Aujourd'hui, entre la météo un peu qui bouge, toutes les informations qui t'arrivent d'un coup, là. Cap Sena. Roger, Fox Victor Madame Vox. Putain, je l'avais jamais fait ce point, Pop. Papa Charlie. C'est le sud de quoi ça? Cariran. Ah ouais? Putain, j'ai jamais fait ce point là. Ah ben aujourd'hui on va passer à un endroit où j'ai jamais fait moi. Génial. Alors là on va passer au radar de Toulon, il va pas falloir se rater quoi. Parce que Papa Tango, Papa Charlie, t'as vite fait de te mascagner la zone. Non, tu contournes là, tu contournes la zone. Okay. Donc là c'est Bordeaux à la gauche. Ouais. Et derrière il y a Sanary là-bas. Alors, va pour Bordol. Bon alors, comme on peut voir, on a les gilets de sauvetage. Ouais. Si ça te dit de prendre un peu le manche, hein. Alors attends, j'essaie de le... Faut essayer de tenir les 1500 pieds. Et l'idée, tu vois, c'est de contourner les îles de l'IRS, là. C'est l'île de... Ouais. Les Zambiers. Des Zambiers. Là on va aller survoler. Il faut passer là, il faut contourner là. Et le Papa Tango, c'est la pointe côté mer de la colline qu'on a face à nous, tu vois. Voilà Sanary. Alors Sanary, c'est là où il y a le petit port. Donc Papa Tango, c'est là. Non, Papa Tango, c'est la pointe là-bas. C'est la grosse colline. D'accord. C'est la pointe qui va dans l'eau. Et on maintient à 1500. Ouais. De rester à cette altitude-là, ça permet de se donner un peu d'oxygène, si on peut dire, par rapport à un éventuel... Et voilà. Ah ouais, 1500. Putain, on va contourner tout loin, j'avais jamais fait ça. Ah voilà, on était passé par Porquerolles, là on va passer par le Pradé, quoi. Excellent. Oh bah c'est sympa ça. Ah bah plutôt hein. Plutôt. Donc on reprend, on est sur Sanary à gauche. Voilà, je connais au moins deux personnes qui habitent là. Enfin une en temporaire. Et deux sur Toulon. Bon, si je filme, c'est mieux quand même. Excellent. Donc voilà pour Sanary. C'est joli hein. Ah ben oui, là c'est le côté là hein. Là on a les bandes de sable un peu là entre les deux. Bah ouais, tiens les bandes si tu veux. Tu vois. Bon là après là c'est toute la zone de la rade.
Là-bas, c'est où il y a tout la rade de Toulon avec les bateaux de guerre. Hein. Normalement, Charles de Gaulle, il est basé là-bas. Hein. Il est souvent là-bas. Après, il est pas rare qu'on voit, il y a des sous-marins aussi passer. Ah, c'est cool. Ça m'est arrivé une fois, moi. T'as jamais essayé de faire un toucher sur un sous-marin? Non, pas encore. Vous leur demandez de le sortir, on va essayer. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors. Donc je dis tout à l'heure, il y a un Dominique qui habite dans les parages. Donc j'ai proposé de nous rejoindre à destination, mais aujourd'hui il ne pouvait pas. Donc pas de chance. Fox Tango Novembre, on passe le point de Papa Tango, 1600 pieds. Fox Tango Novembre reçu, procédé Papa Charlie, rappelez Papa Charlie, Kerkeran. On vous rappelle Papa Charlie, Kerkeran, Tango Novembre. Donc là ils vont bien rester un petit peu droit. Comme ça on s'éloignera un peu du Zembreg là. Ouais. Voilà, on va passer Papa Tango. Et Porquerolles, c'est les îles que vous avez à droite, complètement à droite. Hein. C'est les îles de Porquerolles. Ce qu'on voit face à nous, c'est la presqu'île de Gien. Là on le voit bien, ça fait une espèce. Oui, une route. Voilà. Petite séquence courte sur la mer. Ah, c'est joli hein, on a le... Fox Victor November 13, Just Overflew, bravo Tango Point. Bonjour Victor November, report Echo Tango Point. Report Echo Tango Point, Fox Victor November. C'est génial parce que tu peux revenir 10 fois, tu passeras jamais au même endroit à chaque fois. Ça c'est la première fois que je passe là. Hein. C'est royal. Ah bah du coup on pourra contourner l'espèce de petite île là qu'il y a là. Là c'est Saint-Mandrier. Là. Et vous voyez au fond là-bas, entre Saint-Mandrier et Toulon, une espèce de digue qui est tirée. Je te tiens les courants si tu veux voir. Regarde, c'est bon, tu le vois le trait? Ben, en fait, c'est un truc pour empêcher les bateaux de rentrer. C'est comme, je sais pas moi, comment dire, une barrière. Hein. C'est une sécurité, parce que c'est pour protéger la rade, quoi. Ah ouais. Et tu pourras avoir un sous-marin et demi qui rentre et qui vient se cracher. Et on les voit, les bâtiments de guerre au fond là-bas. Enfin, on en voit déjà un. Hein. Donc Kéran, je pense que c'est là-bas. Ouais, ça n'a pas l'air mal ça, ouais. Ouais, tu vois le relief qui fait un rond comme ça là, dans le fer. Je pense qu'on peut le viser, là on est bien là. On a du bon. Après on remonte là alors. Ouais. Et après on va tirer, alors Sierra Lima, ça a l'air d'être plein nord. Hein. Ouais, on va prendre un cap au 360. Hein. Donc là si on met les ailes à plat par exemple, on peut vérifier. En plus du mieux fou, alors avec ça on sait qu'on a gagné. On est à 70, 75. Puis je le recale à 75. Pour ça, on prendra un cap plein nord pour aller chercher le Sierra Lima. Ouais. Ah ouais, je vois ce que tu disais là pour le... Ouais, ah, tu voilà, vu ouais, espèce de digue là, voilà. Fox Tango Novembre pour information, un sous-passon actuellement 18 nautiques finale ILS pour un atterrissage hier, donc vous procédez bien Papa Charlie et à l'issue Papa Charlie, ça sera Sierra Lima. On procède Papa Charlie et à l'issue plein nord, le point Sierra Lima, Tango Novembre. C'est correct. Bah, je rajoute plein nord pour montrer qu'on l'a situé quoi. Parce qu'il y a un avion qui va se poser là, hier. Donc il va nous arriver sur le côté, hop, il va se poser sur l'aéroport. Donc pour éviter que ici on soit convergent, oui, on fait bien Papa Charlie. Je vous dis, après faites pas des couillons, restez pas à ce cap, sinon vous allez taper l'avion quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Papa Charlie, je pense qu'on est en... oui, bon, on n'est pas vertical. C'est juste, ouais, voilà. Ça. Ouais. En toute façon, en VFR, c'est jamais... Ah, c'est joli, hein. Putain, la première fois que je passe aussi près quoi. Après je vous mettrai les photos, de toute façon on les partage. Hein. Oui, oui, on va s'emmerder. Hop. On est combien alors, 1500 là? Ouais, 1500, oui. On pourrait être plus bas, ah, mais bon, oui. Après ouais. Il va falloir monter pour faire le tour de piste. Hein. Ouais, on voit quelques bâtiments de guerre là-bas. Ouais. Ah, c'est excellent, quoi.
Ouais, c'est chouette, hein. Ah ben ouais. On passe à ras de la Papa 62. Je suis en avant, mais il est possible to be frequency 2 seconds to listen to the assist of CAN. Victor November, Fox 7000, service control terminated. Contact MIS information, frequency 122 decimal 95. Au revoir. 122 decimal 925, bye bye. On est bien là. Relevant, on passe à travers Papa Charlie, prise de cap Sierra Lima. Est-ce que vous nous autorisez à monter à 2300 pieds pour Sierra Lima? Affirme, 2300 pieds, 1005 approuvés, rappelé à tel. 2300 pieds, Sierra Lima approuvé, on rappelle stable à ce point. Un relevant. Allez, c'est bon. Donc là, on peut tirer sur les commandes. Donc on va chercher le point Sierra Lima. Et on va monter à 2300 pieds, 500 pieds, c'est parfait. On est bien comme tout. Donc on a hier qui est derrière la colline là. C'est ça. L'aéroport est derrière la colline, ouais. Alors salut Dominique. Alias Doc 31. On peut prendre encore un peu à gauche. Sacré Dominique. Parfait. On va aller chercher encore, tu vois, on a encore une quinzaine de degrés. Je crois que le point Sierra Lima, c'est l'antenne qui est sur la petite colline qui est face à nous à gauche. Voilà. Ouais, d'accord. Ça pourrait bien être ça, tu vois. Là, je regarde tout est là. Voilà, c'est pas vrai. À 500 pieds encore, voilà. Ouais. 2000. Où ça sera l'altitude de la verticale? T'as demandé 2000 combien? 2003. D'accord. Et la verticale pour faire la reco qui est actuelle. Juste après. Ah, ça y est, on voit la piste là-bas. Il est intenable. Ah ben là, dis donc, en simule, on s'est amusé à partir avec des jets. Ah, militaires là. L'Eurofighter en l'occurrence. Il est où mon Eurofighter? Ah, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Quoi, tu pourrais dire à 80%. Tu vois, c'est 80, c'est bon. Par contre, je ne vois pas un appareil qui était en IFR là. T'as le terrain de hier à ta droite, avec la piste en croix, je le vois, voilà. Okay. C'est à la fois une base militaire et un aéroport international. On a la base militaire sur le côté droit là. Et l'aéroport quelque part au fond en face. Et donc derrière dans l'axe, enfin dans l'axe de décollage, hein, on va vers Saint-Tropez. Cuir. Ouais. La bolle d'abord. Ouais, cette tropée qui est à droite là. Ouais, la bolle, ouais. Et ouais, ça je sais. Hein. 500 pieds sol, 402. Normal. Et donc à Sierra Lima, on prendra un cap au 230. Pardon, au 48. Donc 50 degrés il faudra prendre. Pour aller chercher la piste. Hein. Ah, c'est excellent ça. Vu le vent, il y a des chances qu'on se pose en 29. Bon, ici le vent il est toujours de travers, au moins comme ça, t'es pas emmerdé, on te poser des questions, il est jamais bon le vent. Bon, un peu casse-gueule d'ailleurs. Là c'est parfait là. Donc Sierra Lima ça devait bien être ce pylône là, parce que je vois qu'on passe là-dessus, tu vois c'est ça. Le pylône qui est sur le mamelon devant nous. Oui. Là il y a un relais radio, je sais plus comment il s'appelle ce truc là. C'est un nom mais... Un joli travelling. Voilà, on voit le travelling. Donc, vous approchez Sierra Lima, transpondeur 7000, fin du service du contrôle, et contactez Pierre Soto Information 122.7. Bonne journée. 122.7, merci madame pour le transit, bonne fin de journée à vous, au revoir. Au revoir. Alors là, il y a RAI, c'est un répondeur automatique. Hein. QRS, Fox Tango Novembre, bonjour. Ici QRS, la Air 64 Bravo est inactive, aérodrome non contrôlé. Roulez avec prudence sur les taxiways Charlie Unité et Charlie 2. Trafic en auto-information, fréquence 122.7. Veillez cette fréquence jusqu'en sortie de zone. Si c'est QRS. Allez, c'est bon. Salut, c'est Oscar, on maintient avant les Charlie de la Rock Club du Var. Ça, je veux le derrière. Ouais.
QRS, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 171, 3 personnes à bord, en provenance d'Avignon, à destination de vos installations. On passe actuellement Sierra Lima, 2300 pieds QNH, 1075, pardon, libéré par Toulon, on se reporte vertical de vos installations pour une reconnaissance. Voilà. La piste est dégagée, Fox Echo Victor, on roule au pétrole, là, on roule à l'essence. C'est bien, c'est Fox Echo uniforme en courte finale, 29 points complet. C'est la 29, voilà, voilà, gagné. Donc on va se poser comme ça. Donc si on se pose. Donc si on se pose comme ça, ça veut dire qu'il faut que j'arrive plutôt comme ça. La main chère. Et en main droite le circuit sur la 29, c'est ça? Ouais, enfin il est à main droite et à main gauche. Ouais, c'est ce qu'elle est dire. C'est une grosse merde en fait. Ah ouais, ouais, c'est une saloperie. Et les altitudes sont différentes. Fox Alpha Victor à la pompe pour quitter. Là c'est pareil, la cible c'est bien. Tu vois les terrains, tu vois la configuration. Par contre, je sais pas où il est exactement là. J'ai une petite idée, mais... Ah, mais c'est pas le terrain qu'on voit là. Il est devant nous, ouais, il est dans nos midi. Ouais. Il y a un avion qui remonte la piste là. Plutôt qu'il la descend. Alors, voilà le terrain. Alors, on a deux. Fox Alpha Charlie, on passe 2003 en montée vers 5000, route nord-est, nous quittons la fréquence, bonne journée, bon vol. Deux tiers à chaque fois. J'arrive pas à les voir. Tango Novembre, toujours 2300 pieds QNH 1005, on est à 1 minute de la verticale. Fox Alpha Charlie, la piste est libérée, on roule parking pour couper. Moi je veux juste juger la direction du vent. Parce qu'effectivement, là on a le droit de se reporter en vente arrière du moment qu'on connaît la piste. Et en moins, connaître la piste ça veut pas dire connaître le vent. Verse des novembre 29 Delta Echo, bonjour, on passe Colobrière, 2500 pieds en provenance de la Marie, direction vos installations. Ouais, le vent il est légèrement. Léger, ouais, ce sera la 29. C'est la 29 mais il est pas dans l'axe, hein. Ouais, légèrement de droite. Ouais. Bon, il est calme là. Pour l'instant ça va, par rapport à Avignon, ouais. Ah, oui. QRS de Fox, les maniformes, au parking de passe la bord, je roule vers Charlie 2. Tango Novembre, on est vertical de vos installations, on se comporte en début de vente arrière, piste 29, main droite. Tango Novembre. Fox et quoi uniforme au parking en club du soleil pour couper et quitter, au revoir. Bon, il est particulier ce terrain parce qu'une verticale c'est 500 pieds au-dessus du tour de piste. Là comme on arrive de la mer, on est à 1000 pieds au-dessus du tour de piste. Donc il faut chuter de 1000 pieds pour récupérer le tour de piste. D'où là le vario de 1000 pieds minute. Hein. Pour vite vite récupérer parce que bon, sinon tu restes toujours trop haut. Et après évidemment pour se poser c'est galère. C'est toujours chahutant. Je me suis jamais posé sans me faire chahuter ici. Ah ouais, ouais. C'est pas violent mais ça chahute un petit peu. Alors on est presque à l'altitude de tour de piste, là je suis en vent traversier. Ouais. Arrivé à 1300 pieds. 1300 pieds le tour de piste? Ouais. Et 1000 pieds pour... Ah ben non mais c'est 1000 c'est pieds. C'est la hauteur. Voilà. Hauteur du terrain ça va. Okay. Voilà. Bon, la hauteur du terrain parce qu'après comme il y a du relief pour le tour, il y a des moments de faire moins de 1000 pieds sur là. Là on commence à se faire un peu secouer. Ah ouais non mais ça va être jusqu'au bout, hein. Enfin, je renonce, hein. Tango Novembre, on est début vent arrière, piste 29, main droite. On rappelle en étape de base. En plus on a les reliefs tout autour là, ça va ouais, bien. Ah ouais ouais, c'est, ça fait... Ça turbule là. Ouais.
pas beaucoup de vent. De toute façon, quand il y a beaucoup de vent, je serais pas venu. Hein. Tu vois, la fumée là-bas, elle monte assez verticalement quand même. Hein. Vous voyez les fumerolles là, ouais. À droite hein. Donc ça veut dire que le vent n'est pas fort. Bon, là, c'est pareil, il y a des lignes de tension. Donc si on a peur, on vise le pylône, comme ça, il n'y a pas de risque de toucher les câbles. Ah oui, on les voit bien, du blanc là, ouais. Voilà. Ouais. Après, la piste est longue, donc on peut faire un circuit rapproché. Bon, pas la peine d'aller faire une vente arrière au sein sans diable, tu vois. Je suis à 45 degrés. 45 degrés là, ouais. Bon. Voilà. Tango Novembre, virage, étape de base, on rappelle, finale, piste 29, pour un complet pour Tango Novembre, à 15. Allez, là on est bon. Eh bien, Novembre 29, Delta Echo, vertical des installations, 2500 pieds, on s'intègre en vent arrière pour la 29 et ce sera pour un complet. Là on n'est pas à 1000 pieds là. Ah non. Génial. C'est beau, c'est magnifique. Elle a une jolie base, main droite. Jolie couleur de tonne en plus. On a pas plus tôt pour éviter le survol du village quand même. Novembre, on est en finale, courte finale, 29 on atterrit, on rappellera pour se dégager, force en novembre. Delta Echo en vent arrière, 29 pour un complet. Va nous faire un chuck landing. Qu'est-ce que je disais? Royal. C'est pas beau ça? Y a pas de vent ça, y a pas de... Salut Sauveur, pour tracer en vent arrière, est-ce que vous pouvez étendre un tout petit peu là? On va se remonter la piste après que le Cessna ait dégagé. Oui, on va plonger un tout petit peu, alors après on peut pas aller trop loin non plus, on est avec un SF50. Oui, ça, sans souci, opère, je remonterai pas jusqu'au bout, n'inquiétez pas, pas de problème, merci beaucoup. En plus. Tango Novembre, on expédie le roulage. Et donc, Fox Delta Oscar depuis Charlie 2 derrière le trafic qui quitte la piste, on pénètre et on remonte. Tango Novembre, la piste est dégagée, on roule pour le parking. Ah, il y a un joli biplane là, tiens, regarde. Ouais. J'aimerais bien essayer ça une fois. Il y a un Fuga Magister qui vole aussi ici. Faire, tu sais, des baptêmes. Ah oui, dis donc. Oh, joli ça. Il est beau, hein? Ah, magnifique, ouais. Alors, 29 Delta Echo, on va passer en étape de base 29 pour un complet. Et Delta Oscar, on remonte la piste, on est au bout dans 8-9 minutes. En train classique. Alors, le parking visiteur il est là. Hein. C'est là. Ah, il y a un parking visiteur. Ouais. Ok. Et tu vois qu'il est limité en place. Hein. C'est pour ça qu'il faut prévenir quand on vient. Bon, là aujourd'hui, je me doutais bien qu'on n'allait pas nous dire que c'était complet, mais. Fox Delta Oscar aligné, piste 29, on décolle virage à droite vers Charlie Novembre. Voilà. Vers Tango Novembre, on est au parking, on quitte la fréquence. Bonne journée à tous et bon vol. Allez, crac. Ça c'est fait. Bon, il faut que je retrouve mon stylo, moi, quand même.
je note tout mon bordel là. Alors 29 Delta Echo en finale 29, point complet. Ce que j'en ai fait de ce stylo. On va laisser reprendre un peu le turbo. Foxy Maniform en attente en Charlie 2, visuel sur la finale. Ça va aller. Okay. Ouais, ouais, je m'en sers quasiment. J'appuie sur le bouton, voilà, ouais. Elle est off. 307, ok. Ça va être comme ça. 10h48. 10h50. 11h58. On a volé 1h10. Ça va ? Bien sûr, on va pouvoir profiter un peu plus cet après-midi, s'il le faut. Bah ouais. Ben, c'est bizarre qu'on ait mis si peu quoi. Bah ben, ouais, de toute façon. Et voilà, et ben ma foi. Une petite chose à dire encore avant de couper le. Alors, c'était bon ça, Gérald? C'est royal. C'est beau, hein? Très beau. Magnifique, hein? Pas trop beau au début, mais après, après ça allait quoi. Oh la région, dis donc. C'est chouette, hein? Relief, mer et tout ce qui va bien. Vraiment fabuleux. Voilà, et ben j'ai coupé le bourrin. Ouais. Et moi j'ai débarrassé les cams et on va tout mettre ça. On va faire le déco courte. Et voilà. On défait dans l'ordre inverse. Au moins ici on n'aura pas du vent qui va nous casser les pieds. Je vais reculer un peu pour sortir. Je vais ramasser le siège. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Le mec, j'espère qu'il va pas se garer là avec son truc. C'est quand même... C'est le parking du 8h, mais...